Une véritable guerre inestimable allait jeter les deux groupes l'un contre l'autre. Mais ces événements n'étaient pas pour inspirer confiance aux jeunes gens du pays fond pour l'armée de part et d'autre pour une fratricide. Aussi serait-il pour aller trouver les représentants de leurs tribus respectives afin que ces derniers renonçassent à leur querelle. Oh! Vous nous avez amenés ici pour quoi? C'est pas pour rien. Nous cherchons une forme pour notre beau pays de Tchad. Mais de quelle forme s'agit-il? Triangulaire? Rectangulaire? Cylindrique? Ou bien dites-moi. Notre beau pays, le Tchad, est comme un homme qui est tombé de 61e étage depuis la main de la France, passant par Thomas Lebaye. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, cet homme est tombé par sa tête. C'est ce qui fait que tout est mélangé dans son ventre. Sa tête s'est retrouvée dans son ventre. Son cou s'est retrouvé au niveau de ses genoux. Ses nombrils ont monté. Son dos est rempli de plaies. Sa bouche est au niveau du caleçon. Voilà pourquoi nous cherchons à structurer ce beau pays afin que chaque partie, chaque organe se retrouve dans son milieu naturel afin de pouvoir donner le mieux de lui pour construire ce beau pays du Tchad. Et si je comprends bien, vous voulez diviser le pays? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je vous préviens, si vous voulez diviser le pays, vous n'allez pas le diviser comme vous le voulez. Vous allez le diviser du haut vers le bas, c'est-à-dire du nord jusqu'au sud. Comme ça, ceux qui veulent aller à gauche partent à gauche. Ceux qui veulent aller à droite partent à droite. De peur que chacun ne manque le désert qui représente notre pays, la savane qui représente notre pays, la steppe qui représente notre pays et le Sahel qui représente notre pays. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Déjà, naturellement, chaque individu habite sa peau. Chaque individu habite son habit. Chaque individu habite ses chaussures. Mais cela n'empêche que nous vivons en famille et en communauté. Nous sommes ensemble. Chacun doit donner le meilleur de lui à partir de là où il est, afin que nous puissions renforcer ce beau pays. Mais je vous dis, lorsque vous allez commencer tout cela, n'oubliez pas nous les consommateurs. Parce que je ne sais pas où est-ce que vous allez placer la brasserie. Oh, c'est pas de cela qu'il s'agit. Ah, mais pensez-vous que le fédéralisme est une solution pour le Tchad? Ah, ce n'est pas à nous de le répondre, mais à tous ces beaux hommes qui sont aujourd'hui réunis ici dans la salle. C'est à eux de faire les états de lieux, d'en réfléchir et de trouver une solution. Est-ce que c'est la solution à notre beau pays de Tchad? Mais en attendant qu'ils ne fassent tout cela, je préserve ma culture, je vous invite à danser la danse vie. Merci. Thank you.